Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jour une dictée pour les CE1 de Martine Nécoins et Françoise Picot. Et c'est vraiment ce point-là qui a fait que je suis allée vers cet ouvrage parce que un jour une dictée est parfaitement adaptée si vous utilisez mon année de français au CE1 par Françoise Picot. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. En tout cas, c'est tout à fait utilisable également à part en dehors de mon année de français au CE1. Donc avec ce fichier, on a un guide pédagogique. Alors pour l'instant, je n'en ai qu'un extrait qui présente la démarche pédagogique et présente également le cahier élève. Donc je vais commencer en fait par là. Donc on commence avec une présentation générale. Puis on a le déroulement d'une séquence de dictée journalière. Alors pour cela, je vais vous montrer le fichier. Donc vous avez ici le sommaire. Et en fait, ce sommaire donc, il correspond parfaitement à ce qui est vu dans l'autre ouvrage de français CE1. Voilà. Donc on commence par les mêmes notions. Le son A, I, le son A, I, etc. Voilà, donc ça se présente ainsi dans le fichier. Donc on a dictée 1, dictée 2, dictée 3, avec à chaque fois un petit mémo, des mots. Et on a également les mots de la dictée dans le désordre. Ici, on a un petit texte à trous. Et de l'autre côté, donc on a des lignes à carreaux avec la place pour la correction. Petit exercice pour placer les pronoms aux bons endroits. Et une petite image à décrire. Alors pour chaque dictée, on a toujours une petite image qui illustre, au moins en partie, la dictée. Donc, il, on a un petit garçon, elle, on a une petite fille. Ici, on a un sac rose avec un chat sur le dos. On a un sac rose avec un chat dessus. Voilà, et on retrouve les personnages. Voilà. Et pour les petits textes à compléter, avec les pronoms, on a les petites images aussi qui vont avec, les petites illustrations. Et ici, on doit écrire deux images pour illustrer l'image. Voilà, donc ça se présente toujours de la même façon. Voilà, du début à la fin de l'année. J'avance un petit peu plus vite. Alors là, je suis tombée sur un petit peu autre chose. Oui, alors les petits exercices changent au fur et à mesure. Et voilà. À la fin de l'ouvrage. Donc là, c'est vraiment tout la toute fin. Donc des tableaux de conjugaison. Et on retrouve ici la liste des mots invariables pour la période 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on nous explique ici le déroulement de cette fameuse séquence de dictée journalière. Toute la démarche est parfaitement détaillée et expliquée. Voilà, c'est clé en main, il n'y a plus qu'à suivre les indications. Donc on a vraiment la dictée quotidienne plus la dictée bilan en fin de semaine. On a la possibilité de vidéoprojeter, les corriger à l'aide du cahier numérique. Tout est vraiment très détaillé. On a également le déroulement d'une séquence de dictée de fin de semaine et le déroulement de la dictée bilan. Alors voilà, vous retrouvez encore une fois la programmation ici du fichier, ainsi qu'une programmation de CE2 pour information, puisque ce fichier existe également à destination des CE2. Voilà, vous avez la couverture du guide pédagogique. Donc le guide pédagogique qui coûte 20 euros. Donc c'est le pack guide plus un cahier qui est à 20 euros et sera à apparaître au mois de juin. Donc le texte des 125 dictées, la progression et la démarche pédagogique, des exercices supplémentaires pour approfondir certaines notions de façon ludique. Et chaque cahier est à 5,50 euros. Alors si vous ne l'avez pas déjà reçu, votre école sera certainement destinataire d'un spécimen de ces nouveaux ouvrages. Voilà, en tout cas, moi je vais partir avec pour mes CE1.
Sur ce, je vous dis au revoir et puis bonne journée.